Le boléro de Ravel n'est pas une musique espagnole. C'est une œuvre abstraite, une œuvre violente, une œuvre émotive, où l'on voit la lutte entre une mélodie, mélodie orientale, et un rythme implacable. Sur scène, pas d'anecdote, pas d'histoire, un cercle de 40 garçons sur des chaises qui tour à tour se lèvent et, suivant le rythme, augmentent la puissance de la musique. Au centre, sur la table, un garçon seul danse avec son torse, avec ses bras, avec son corps, la ligne mélodique. Le boléro de Ravel, dansé par Georges Donne, et le ballet du XXe siècle.
Gustave Mahler est situé à une place exceptionnelle dans l'histoire de la musique. C'est, je crois, le dernier des grands symphonistes, le dernier des grands romantiques, et aussi, dans son œuvre, on peut voir le début de la musique contemporaine. L'Adagietto de Mahler est un ballet sans histoire, un homme seul, mais cet homme est encore un grand romantique, encore quelqu'un qui cherche son âme à travers différents états, et quelqu'un qui s'exprime dans une chorégraphie très moderne. Adagietto de Mahler, dansé par Georges Donne. Thank you.
une des grandes symphonies de Gustav Mahler, la troisième. Symphonie où Mahler rencontre le poète allemand Nietzsche. Et inspiré par l'œuvre de Zarathoustra, d'ailleurs, le texte qui est chanté est un texte de Nietzsche, Mahler développe ce sentiment de, à la fois de solitude et de puissance de l'homme. Un homme qui, à la fin de sa vie, revoit le long parcours de l'existence, toutes ses rencontres, toutes ses luttes, tous ses amours. Un homme suivi par une femme comme par une ombre, et un homme qui sortira de l'ombre pour découvrir le soleil et la lumière. Dans la symphonie, le dernier mouvement au début devait s'appeler « Ce que l'enfant me dit ». Et on voit très bien la démarche de Mahler, qui, après une existence tourmentée, pleine de luttes, de douleurs, de victoires aussi, voit dans l'enfance, dans la jeunesse, cette vision optimiste malgré le grand désarroi d'une vie longue et tourmentée.
Thank you.
Thank you.